Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo. Et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour Ici c'est Paris. Tu te rappelles? Oui, il y avait la Tour Eiffel hein, dans le clip. Exactement, donc il y avait Koba et Boleman. Voilà. Et donc j'ai appris que Ici c'est Paris en fait, c'est un album qui est donc sponsorisé entre guillemets par le PSG. D'accord. Et ici, on a CK et Leto à l'honneur. CK, je sais pas CK. Voilà, et donc le titre c'est Ma chérie. Tu crois qu'il parle de la Tour Eiffel? De Paris, hein. Ouais, ma chérie, ouais, Paris, ma chérie, ouais. Parce que s'ils nous font juste un peu de son love, qui n'a aucun lien avec Paris, ce serait un peu dommage, quoi. Bon, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Jouer trop longtemps, je joue pas comme tes boucles d'avant. On va pas jouer trop longtemps. Aime-moi fort, ici la haine est plus sauvage qu'avant. Sa chérie. Quand je vois ton corps, oui. J'hallucine, on dirait qu'on t'a dessiné. Quand on va se déchirer, ton cœur je vais le dessiner. Ma chérie, je veux changer ta vie. Je fais que dans ta célébrique pour que tu sois bien dans mes bras. Ram, pam, pam, pam. Est-ce qu'on y va ensemble? Rom pom pom, c'est du PNL, hein? Quoi? Rom pom pom, c'est pas du PNL, ça? Ah oui, effectivement. Ouais. N'oubliez pas qu'avant PNL, c'était Rihanna qui disait ça. Oui, ça, j'écoute moins Rihanna, je veux dire. Encore, est-ce que Rihanna n'a pas pris ça d'un artiste avant? De 50 Cent. De 50 Cent? Je sais pas. Non, mais... Hein, non, ça peut aller loin. Oui, voilà, si on commence comme ça peut aller loin. Mais c'est vrai que oui, c'est PNL qui est connu pour ça dans le rap français, quoi. Est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on fait comme dans les films ou c'est que pour une nuit qu'on va kiffer notre life? And I'm a see passing, we make me lose my sense. And you be departing with me, I want to depress you. Parce que long. Lamborghini. C'est un mélange d'anglais et de dialecte. Je préfère que tu souffres avec moi plutôt qu'avec un autre. Je préfère que tu souffres avec moi plutôt qu'avec un autre. Follow moi, on y va loin du Jéga. J'ai dit follow moi, on y va loin du Jéga. And I'm a see it passing, we make me lose my sense. Boxing with me, I want to depress you. I'm only trying to buy you this so finesse. In that dress, ça te plaît? Donc ils sont tous les deux amoureux de la même femme, hein, je suppose. Hein. Amoureux, je sais pas, mais ils vont sûrement faire un gangbang à trois, quoi. Oui, ouais, peut-être, ouais. Oui, l'ambiance, ça me va. C'est calme, c'est chill, ouais. C'est romantique. C'est love. Donc oui, c'est plaisant à écouter, mais... Oui, c'est... Ouais. Bon, hein, on va pas se mentir. Le nombre de morceaux qu'on a déjà entendus comme ça, hein... Commence à saturer un peu, quand même. C'est bien étonnant, parce qu'il préfère qu'elle souffre avec lui qu'avec un autre. I'm only trying to buy you this so finesse, in that dress, in that dress. Can you,
Lamborghini. Can you fucking like Lamborghini? Something must have killed me. Lamborghini. Can you Lamborghini? Bien cette partie là. Eh bien oui. Moi je dirais même oui oui. Carrément toi. Oui oui. Oui oui. Ouais c'est un bon son de soirée quoi. C'est langoureux. C'est... Mieux que le son là sur Paname. Bah oui c'est ici ça me déplaît pas du tout. C'est déjà mieux mixé que l'autre morceau là, de Koba et Boleman. Plus soigné. Et la voix de CK. Ouais, c'est CK. Pas mal sa voix. Ouais, j'aime bien CK. CK, ouais. Maintenant on sait, c'est CK. Apparemment, il est connu de fou. Je regarde ici les morceaux là qu'il a fait. 300 millions de vues, 40 millions de vues, 200 millions de vues, 80 millions. Mon dieu. Ouh là 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 là. Moi, je crois que c'était un petit débutant. Non, mais c'est juste parce que voilà, c'est dans une autre langue, donc d'office, c'est peut-être moins connu ici, en Belgique. Mais ça apporte quand même quelque chose, quoi. Ah ouais, non, c'est stylé. C'est vraiment stylé. J'ai envie de checker un peu ses autres sons. Si vous avez d'autres sons proposés de lui, on réagira sans problème. Non, mais voilà, c'est une belle connexion. Ouais, ouais, ouais. Leto, il gère bien aussi dans la douceur, dans la romance. Ouais, mais... C'est que je vois que c'est son domaine de prédilection parce que regarde tous les clips, à chaque fois tu le vois à côté d'une femme en mode romantique quoi. Ouais mais ici cette fois-ci ils sont tous les deux amoureux de la même. Hein. Bah ouais c'est un bon morceau même si bon allez on en a déjà entendu pas mal des morceaux pareils mais c'est que il vient changer la donne avec son langage particulier j'ai envie de dire. C'est de l'anglais hein, ça, je suis sûr. Mais regarde allez. Peut-être le texte pour voir un petit peu. Ouais, pour voir ce qu'il dit exactement, quoi. Ah, mais en fait, sur Genius, à chaque fois que c'est CK qui chante, ils ont mis un point d'interrogation. Ah bon, carrément. Voilà. Donc ils ont pas compris non plus. Ah, enfin, c'est peut-être mieux, hein. Bah non. Bah oui, mais, ou bien c'est peut-être le même texte que Leto, tout simplement, quoi. Bah non, n'importe quoi. Bah oui, mais je vais dire, dit en dialecte peut-être Afrique, je sais pas, ou c'est vrai que c'est difficile à capter, quoi. Ce qui conclura la vidéo sur CK et Leto. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao. I'm a little child, your body, you little finesse, one. In that dress, one.